Ce n'est pas d'hier que l'on a rêvé de relier la Méditerranée à l'Atlantique. Les Romains l'ont d'abord réalisé par leur route terrestre, dont on trouve encore des traces. De l'empereur Auguste à Louis XIII, on a rêvé à une voie navigable. Ce fut d'abord l'aqueduc romain qui relia l'Espagne à l'Italie. Mais c'est sous Louis XIV que l'on construisit finalement la plus belle voie d'eau au monde, maintenant reconnue comme patrimoine mondial par l'UNESCO, le canal du Midi. En y ajoutant le canal latéral à la Garonne, les deux mers étaient enfin reliées. 450 kilomètres. Comme si on se creusait un canal entre Montréal et le lac Saint-Jean là, en ligne directe. Il s'agissait donc de relier ce point, 7, à cet autre, Bordeaux. Il fallait éviter aux navires le long et dangereux contournement de la péninsule ibérique dans des mers sillonnées par des pirates barbaresques et les colères des golfes de Gascogne et du Lion. On part d'une distance qui équivaut à celle entre Montréal et Vancouver. On voulait aussi éviter le transport routier vulnérable au brigandage. Et il faut ajouter qu'un canal est énergiquement rentable. Saviez-vous qu'un cheval sur le chemin de halage peut tracter 120 fois son poids contre 2 fois seulement s'il est attelé à un véhicule terrestre? Alors comment détourner les rivières qui dévalent des Pyrénées du Massif central? Comment franchir la ligne du partage des eaux située à 190 mètres d'altitude? Comment alimenter en eau un canal traversant ces régions pauvres et souvent victimes de sécheresse? On y arrivera grâce à un homme exceptionnel, Pierre-Paul Riquet. Il lui aura fallu 14 années de travail, de 1667 à 1681, et 15 000 ouvriers pour creuser, construire le canal royal, le canal du Midi, long de 240 km, Québec-Montréal, comportant 350 ouvrages d'art, dont 64 écluses et 130 ponts. Le canal du Midi et le canal de Garonne permettront de relier la Méditerranée à l'Atlantique. Ce canal des deux mers permet de naviguer tout le sud-ouest de la France. De Sète à Toulouse, le canal du Midi, de Toulouse à Bordeaux, celui de la Garonne. Nous avons navigué sur ce magnifique canal du Midi, le canal de la Garonne, la rivière Baïse, si poétique, et visité le spectaculaire Lot. Partons sur le canal du Midi. D'abord baptisé Canal Royal en Languedoc, les révolutionnaires le rebaptisent Canal du Midi en 1789. Il fut considéré par ses contemporains comme le plus grand chantier du 17e siècle. On pouvait alors transporter en toute sécurité et à moindre frais la farine et surtout les barriques de vin jusqu'au port de Sète ou celui de Bordeaux. Tout le sud-ouest de la France connaîtra alors une grande prospérité grâce à la voie d'eau que le train finira par rendre désuète pour la navigation commerciale. Ces siècles de prospérité, on les doit au talent et à la détermination de notre héros, Pierre-Paul Riquet. Il a vécu 71 ans de 1609 à 1680, un an avant l'inauguration de son canal. Jeune, il préfère la langue d'oc au français et seules les sciences et les mathématiques l'intéressent. Le français est la langue d'oil et nous sommes en langue d'oc. Le sud-ouest retrouve de nos jours avec ferveur son identité différente. Le père de Pierre-Paul le pousse dans l'administration des gabelles, perception de taxes sur le transport du sel. Il s'enrichit rapidement. C'est un travailleur infatigable, doué d'une imagination remarquable. Il est doté aussi d'audace, d'enthousiasme et d'un sens aigu de l'observation, d'un grand sens des affaires et d'un talent certain pour mener des hommes. On gardera le souvenir d'un humaniste précurseur, demeure qu'il s'avère têtu, solitaire, tenace. Baron de Bonrepos, dont voici le château, avec cette seigneurie de Bonrepos à côté de Verfeil, 60 hectares de forêt de chêne, 150 hectares de bois et de terre, 4 métairies, sans oublier une demeure à Toulouse.
Quand Riquet détient une certitude, rien ne l'arrête. Et pour vérifier ses plans, il construit la maquette de l'ensemble du canal sur les terrasses de son château de Bon Repos. Voici le plan général de l'ouvrage, qui date du 17e siècle. Et la conception des écluses en ovale pour économiser l'eau, très bonne idée. Riquet fut aussi un précurseur dans le domaine des relations de travail. Il inventa ce qu'on appelle maintenant la protection sociale en payant les travailleurs les jours fériés, les jours de maladie, les dimanches, les jours de pluie et en tenant compte de leur sécurité au travail. Les ouvriers recevaient un meilleur salaire qu'ailleurs, ce qui les fidélisait. Et Riquet y contribuait de sa fortune personnelle. On leur fournissait aussi les outils de travail pour creuser ce canal, une nouveauté, et on les logeait à coups modiques. Les autres entrepreneurs fulminaient contre ces conditions de travail. Tout au bord de la Méditerranée, nous sommes à Sète, surnommée la Venise du Languedoc. Ce port a été construit et administré par notre héros, Pierre-Paul Riquet. Mais c'est aussi ici qu'est né et a vécu toute sa jeunesse Georges Brassens, qui chantait en fin de vie sa supplique pour être enterré à Sète. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette, auprès d'une sirène, d'une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Le musée consacré à Georges Brassens. L'auteur-compositeur est enterré ici, en face du musée, comme il l'avait souhaité, près de la plage de la Corniche. Une bonne petite niche auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche, écrivait-il. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, où quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie « Je suis le maître à bord, sauf qui peut, le vin et le pastis d'abord. » De cette il faut d'abord traverser cet étang de taux et ses parcs d'huîtres délicieuses, d'ailleurs. C'est juste en face de la sépulture de Brassens. Notre périple nous mènera d'ailleurs de ces huîtres méditerranéennes de l'étang de taux que voici, à celle de Bordeaux, élevée dans le bassin d'Arcachon, 450 km plus loin. C'est précisément ici que commence l'aventure du canal du Midi. De cette base de location de bateaux, les vélos nous permettront des visites toutes plus stimulantes les unes que les autres. Dès le début du canal, cette ingénieuse écluse ronde permettait aux bateaux d'aller tout droit en face, vers Sète, ou de prendre à droite par le petit embranchement qui mène à l'Hérault, au centre d'Agde. Nous sommes en effet amarrés à Agde, surnommée la perle noire de la Méditerranée, à cause de ces monuments construits en pierre basaltique qui proviennent de la montagne noire. Une ville qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ et où il fait toujours bon de prendre le temps de vivre. Ville portuaire depuis l'Antiquité, favorisée vers la fin du 17e siècle par l'ouverture du canal du Midi. Agde tira longtemps l'essentiel de ses revenus du commerce maritime et de la pêche. Elle est devenue l'un des principaux ports de plaisance de la Méditerranée et la première station touristique de France par sa capacité d'hébergement et elle bénéficie d'une réputation internationale auprès des vacanciers. Quelles que soient les humeurs de la météo du jour, il y a toujours un charme à naviguer calmement sur ce canal.
Nous sommes à Béziers, le carrefour des guerres cathares, la capitale viticole du Languedoc. Ça sent le bon vin ici. Béziers trône en effet au sein du plus grand vignoble du monde. Sous le regard du constructeur du canal, Pierre-Paul Riquet, Béziers est une très vieille ville, 2700 ans d'histoire. L'artère principale de Béziers, l'allée Paul-Riquet, elle mène au plateau des poètes en offrant des produits fraîcheurs qui font la réputation du restaurant L'Ambassade du chef étoilé Patrick Olry. Toujours l'agitation des brigades des grands restaurants où tout est soigneusement présenté. Regardez l'application de ce préposé aux légumes. Quel arrangement! Même à moi, ça donne le goût des légumes. Légumes frais de la région, sans exception. Magnifique, sous le regard de l'apprenti. En quittant la table de ce grand chef où nous terminerons le ravissement des papilles avec un dessert chocolaté et un vin liquoreux régional, nous allons franchir le plus long pont-canal du parcours. Un pont-canal, c'est comme si les bateaux passaient sur le pont de Québec, mais au lieu de passer en dessous, ils passent au-dessus. Il y a plusieurs douzaines de ces ponts-canaux. L'arrivée au pont-canal, on s'y engage. C'est toujours très impressionnant dans ces paysages. Voilà des souvenirs qui se gravent pour longtemps en mémoire. En quittant ce pont-canal, accompagné de sportifs qui profitent du chemin de halage, nous arrivons au détour de l'escalier d'écluse de Foncérane. Les écluses de Foncérane, entourées ici, sont l'ouvrage majeur du canal du Midi, au pied de Béziers. L'ensemble des écluses comporte 8 bassins de forme ovoïde spécifiques au canal du Midi, 9 portes qui permettent de franchir une dénivellation de 21,50 mètres sur une longueur de plus de 300 mètres. La majesté du lieu, la prouesse technique que cela représentait en matière de génie civil saisissent aujourd'hui encore, surtout quand il faut y manœuvrer. Le flot de l'eau qui entre dans les écluses est toujours impressionnant et c'est un fort débit. Un bateau qui n'est pas évident à manœuvrer puisque c'est un bateau à fond plat, donc le moindre vent de côté peut hypothéquer un petit peu parfois la manœuvre. Complicité nécessaire ici entre la pilote et le préposé aux amarres. C'est un travail qui se fait à deux. Cet homme qu'on voit à l'avant-plan fêtait avec sa femme ses 50 ans de mariage en faisant le canal du Midi. On voit bien la dénivellation. Impressionnant. C'est fait. Après 90 minutes de manœuvre, nous avons franchi les écluses de Foncérane. Très content de les avoir réussi. Alouette.
Devant nous, à droite, une des vieilles barques de poste. En reprenant le parcours du canal, on l'imagine parcourant fidèlement les ports fluviaux, chargés de courriers, de colis, de passagers. Ceux-ci débarquaient, selon les horaires, pour se restaurer ou passer une nuit dans une de ces auberges qui ponctuaient les étapes du parcours. Fonsérane, c'était la halte de midi, au quatrième jour du parcours de la péniche de la Poste depuis Toulouse. Cet arrêt du midi s'appelait la dînée. Ce transport en commun faisait le trajet de Agde à Toulouse, aller-retour. Voyager, c'est d'abord rencontrer. En accostant à Colombiers, nous découvrons cette superbe péniche ancienne et ses occupants nous invitent chaleureusement à bord. Des Italiens avec de la sauce tomate dans les veines, ils rayonnent de joie de vivre. Elena est spécialisée en droit maritime et Giacomo, l'ineffable, est maréchal ferrant et ambassadeur universel du café à l'italienne. Bon café pour les amis canadiennes, un café italien. Alors, première chose, jamais nettoyer avec du nettoyant la cafetière. Doit être nettoyé seulement à l'eau. Les cafés, il y a trois différents cafés à l'intérieur. Il y a un tiers de café gros grain, un tiers medium et un tiers petit. Il faut le mélanger parce que et la finesse des graines, ça dépend de la température et de l'humidité. Et alors, la mélange, la meilleure, c'est un tiers. Voilà. Et quand vous avez bien pressé, là, il arrive, hein. Vous prenez un cordon. Et 3-4 trous. Avec quoi les trous? Avec un cure-dent. Ah d'accord. Voilà. 3-4 trous. Parce que le café doit être bien pressé, mais il faut faire des trous parce que la vapeur il peut monter. Le feu il doit démarrer très très fort. Hein? Et quand il commence à sortir le café, le couvercle ouvert. Jusqu'à le moment qu'il commence à sortir. Quand il commence à sortir, il faut fermer, voilà, et il faut réduire le feu. Il faut réduire le feu au minimum. Ah, pour nous, c'est une religion. Hein? Ah, c'est gentil. Alors, un petit peu d'huile. Ça, c'est l'huile italienne, extra vierge. C'est notre petite production. Attention, notre petite production. C'est le foie qui a fait comme ça. Oui, c'est un petit peu de fond, mais ça ne fait rien. Non, et toujours, toujours. La bouteille se passe. Sur la crudité. Hein? Pas cuit, hein. Ok. Il faut arrêter le feu et hop. Un petit peu de pâte. Hein? Suivons d'abord les effluves de cette mini-parade dans le très joli village de Colombiers. Colombiers a une longue tradition de transport de barriques de vin. À la sortie de Colombiers, la colline d'Anserune. La colline domine d'une centaine de mètres les plaines des alentours et offre ainsi cette vue panoramique sur une région magnifique, la région de Béziers, de Narbonne. Le plus étonnant, c'est cet étang asséché de Montady, asséché par le père de Riquet d'ailleurs, grâce à 60 fossés de drainage. L'étang est une vaste étendue de 430 hectares, unique de par sa forme de soleil rayonnant qu'on voit bien par ce plan aérien. Le tunnel du Malpas a été percé sur une longueur de 170 mètres dans des grès sablonneux, avec un risque permanent d'effondrement.
plusieurs ouvriers y ont laissé leur vie. On avait d'ailleurs interdit à Riquet de le creuser. Impossible, disait-on à la cour du roi. Il transgresse les ordres et rassure les employés en assistant aux travaux de l'intérieur pour prouver la sécurité de son nouveau procédé de maçonnerie. Il fait travailler les équipes jour et nuit à ses frais pour le compléter avant l'arrivée des inspecteurs royaux. Les inspecteurs arrivent, ils sont conquis et l'inaugurent à la lumière des torches. Ce tunnel de Malpasse sera le premier qui ait été réalisé spécifiquement pour un canal. Le canal du Midi est à l'horizontale, en haut, sur ce plan aérien. À la verticale, le canal de la Robine. Nous empruntons les 32 km de ce canal de la Robine pour rejoindre Narbonne. Ce canal de la Robine est un ancien passage du fleuve de l'Aude. Les écluses, lumière verte et là, sont actionnées par les plaisanciers eux-mêmes. Le bonhomme qui vous parle est là, à droite, sur l'image pour peser sur les pitons. Cette automatisation a évidemment envoyé quelques éclusiers à la retraite. Quand on tient une caméra à la main, la concentration peut nous faire oublier les obstacles. Oh, putain! Oups! La caméra et le caméraman sont indemnes. Nous sommes au cœur du vignoble minervois. Narbonne, fondée par les Romains 100 ans avant Jésus-Christ. En 1906, les Narbonnais se joignent au mouvement séparatiste occitan contre les mesures centralisatrices de Paris. Ils ont encore cet esprit occitan d'indépendance qui caractérise bien le sud-ouest de la France, le pays d'Oc. La ville de Charles Trenet, 1000 chansons. Initiateur de la chanson moderne, c'est le poète de la jeunesse, du bonheur, de la joie de vivre. Voici la maison de son enfance. Derrière sa fantaisie pétillante, Trenet avait choisi de dissimuler ses gouffres intimes sous le verdi d'une certaine légèreté. Très belle architecture début de siècle, Narbonne a connu de forts mouvements populaires dans son histoire. Des fromages marqués à la cendre avec le blason représentant l'appartenance languedocienne. Oui, très bon. Il a beau être très tôt le matin, on se repose déjà des futures fatigues de la journée qui commence. Sud-ouest oblige. Sommeil, comme dans Sommeil. Une étape devenue classique. Les bâtiments datent de la construction même du canal. Les passagers de la barque de poste y passaient la nuit, une étape joyeuse. Nous y avons amarré notre bateau pour aller découvrir ce rendez-vous communicatif de bonne humeur. Sous le pont, une péniche hôtel. Il en existe plusieurs. On peut y réserver cabine et couvert, excursions comprises. Elles sont aménagées avec goût et dispendieuses. On trouve même à Sommeil ce trésor de librairie. Thank you.
Le canal reste douillet dans son collet de fourrure végétale. Riquet tenait à planter ses arbres pour protéger les eaux d'une trop grande évaporation. L'eau est ici précieuse. On a construit un élargissement du canal ici à Homps pour permettre aux péniches de manœuvrer plus facilement pour charger leurs barils de vin minervois à destination de Bordeaux, Toulouse ou Sète. Un des charmes de cette escale, ce restaurant, la péniche, chez Anne et Alain Morel et leur famille, voici le fils. Derrière ce souvenir québécois. Une pizza avec un petit goût de Revenez-y, là. Mais le secret du lieu, c'est la recette de steak tartare d'Alain, le père. Il nous la livre. De quoi faire une crise cardiaque à n'importe quel adepte de Montignac. Capre, tiens, encore un peu plus. Ouais. Ouais, échalote. Ça, ça relève pas mal aussi. Un peu d'ail, ça devrait aider l'échalote, ça. Tenir compagnie. On mélange le tout pour tout caché, tout dissimulé, tu sais. Ouais, c'est les poivres. Petit peu d'eau du canal, tu sais, pour faire local. On cache ça, hein, toujours. Ah, tiens, de la viande, bonne idée. Et la madame est bien contente. Nous approchons de Puits Chéric, l'écluse la plus conviviale de tout le canal, même sous la pluie. À cause de son éclusier, Joël Barthes, éclusé à l'écluse de l'aiguille à Puits Chéric, s'est éclusé chez Joël. Ses humeurs et son humour sont plantés un peu partout dans l'aménagement paysager qu'il signe également. Humour et dérision, personnages et objets détournés de leur fonction traditionnelle, récupération. Nous nous sommes spontanément liés d'amitié avec sa femme Muriel et lui. Mais en premier, je suis éclusier, puis sculpteur, c'est venu après. Mais j'étais routier avant, et puis je me suis marié, j'ai eu un enfant. Alors comme je n'étais pas souvent à la maison, j'ai cherché un métier où il y ait la même liberté que routier, quoi, de ne pas avoir un chef et tout ça. Et j'ai passé un concours et je suis devenu éclusier. Et ce métier m'a enchanté, et depuis... Je fais éclusier depuis. J'ai décidé de me fixer quelque part, et comme j'ai trouvé cet endroit de rêve ici, et puis je l'ai amélioré à ma façon, en plantant d'abord des arbres et tout, puis après je me suis mis à faire une sculpture pour... je sais pas pourquoi. Moi j'analyse comme ça. À 20 ans on veut changer le monde, à 30 ans on s'aperçoit que c'est pas possible, et puis à 40 ans on dit on va changer un petit bout de monde, et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes dans le Minervois. Il faut bien visiter Minerve et pour cause. Minerve se classe parmi les plus beaux villages de France.
C'est un retour au Moyen-Âge, un ancien bastion cathare détruit par Simon de Montfort en 1210. Le village garde de cette époque une stèle, d'ailleurs, en mémoire d'un bûcher cathare. Cerné de gorges profondes, taillées par la confluence du Briant et de la Cesse, posé à l'extrémité d'un plateau calcaire, Minerve est un village de pierre spectaculaire, accroché au cœur de la Garrigue. Restons au Moyen-Âge, vue du canal, la citadelle moyenâgeuse de Carcassonne, un autre patrimoine de l'UNESCO. Carcassonne est située dans la vallée entre la Montagne Noire, au fond, et la chaîne des Pyrénées, derrière nous. C'est là, à Carcassonne, qu'est née l'Inquisition destinée à poursuivre et exterminer les hérétiques, les albigeois ou cathares, tous ceux qui ne pensaient pas comme l'Église. On y a beaucoup torturé, partout dans le sud-ouest d'ailleurs. Il fallait faire et penser selon l'Église ou souffrir et mourir. Une salle d'interrogatoire pieusement installée. D'ailleurs, devant l'horreur de ces tortures, j'aurais personnellement avoué avoir empoisonné le pape, n'importe quel pape. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est ce que le légat du pape a dit à ses soldats lors du sac de Béziers quand ses soldats lui ont demandé comment distinguer les bons fidèles des hérétiques. Albigeois, cathares, ils s'appelaient eux-mêmes d'ailleurs les parfaits. Qui sont-ils? C'est pas très compliqué. Des idéalistes fervents qui reprochaient à l'Église ses exactions, ses injustices, ses mensonges, sa propension à profiter des fidèles. Ils ont voulu assainir les mœurs du clergé et de la hiérarchie catholique. L'Église les a accusés d'hérésie et les a pourchassés jusqu'à les exterminer finalement, à Montségur. À Béziers seulement, on estime le nombre de morts entre 15 000 et 22 000. La croisade des Albigeois reste le drame majeur de l'histoire de Béziers et de tout le sud-ouest de la France. Un dimanche, hors des murs, le long du canal qui traverse paresseusement la ville de Carcassonne. Toujours un prétexte de bricolage pour être à bord de sa péniche. Le canal inspire parfois l'imagination des aînés. Les pépés se bricolent du plaisir. Regardez cette vieille Citroën de chevaux transformée en péniche de l'âge d'or. Et on écluse mes confrères, les pépés. Thank you.
les amoureux ont mieux à faire. Pendant que les vieux pénicheurs ont oublié de le faire. Dans la vallée de l'Aude, pas tellement loin du canal, Montréal. Enlacé autour de son imposante église et situé sur un pic, ce très joli village de 2000 habitants trône sur sa colline. À la mairie, M. le maire Christian Rebel nous attendait. C'est le Languedoc, c'est la petite France, c'est la montagne, la mer, la plaine, le soleil, le vent, les cigales, voilà, donc... Tout ce que aussi aiment les Québécois, je suis persuadé, quand ils sortent du Québec pour venir en France. Un mot en occitan. Amis vers le Québec. Bon, vous direz, tous les plaisirs que tenons avec vous, Acquis et Montréal. Vous souhaitez que vous venez en Montréal, alors que vous souhaitez vous pour découvrir le pays notre, le pays de l'ordre, le pays occident. Monsieur le maire veut que nous entendions l'orgue rénové de l'église. Alors il convoque l'organiste et nous rencontrons celui-ci un peu plus tard à l'église qu'on appelle une collégiale. Ce sera un moment à l'intérieur. Magique. Ce vitrail rappelle une soi-disant rencontre entre Saint-François et Saint-Dominique au sujet des cathares. Le franciscain est tolérant et le dominicain beaucoup moins. Mais voici notre vieil organiste. Comment ne pas tomber sous le charme? La blanquette de Limoux, ça vous dit quelque chose? Ce blanc pétillant qui arrose, ici comme ailleurs, toutes sortes de célébrations. Voici un des vignobles de cette fameuse blanquette. Dans son paysage viticole, l'abbaye Saint-Hilaire, entre Limoux et Carcassonne. Pendant que Jacques Cartier nous découvre en 1534, les moines de l'abbaye découvrent, eux, comment faire des bulles dans la blanquette, 100 ans avant que Dom Pérignon le fasse, lui, en Champagne. Des deux côtés de la vallée qui enserre le canal, nous observons de nombreux parcs éoliens. Simple continuité dans le temps, d'ailleurs, les éoliennes ont pris la place des moulins sur ces versants venteux. Montréal est à la charnière entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
La commune est sous influence océanique, tout en conservant sur sa versant sud l'influence méditerranéenne, pays de vin, mais de céréales aussi. Dans leur atelier féerique à Limoux, Martine Morand et sa fille Judith. Ça a commencé dans ma toute petite enfance. J'avais un imaginaire qui débordait. J'étais une enfant très solitaire. J'ai été élevée par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, puisque j'ai perdu maman bébé. Et ces deux grand-mères-là furent autrefois toutes les deux couturières, à une époque où elles travaillaient à l'ancienne, comme dans la haute couture. Elles habillaient ces dames, comme on disait autrefois. Voilà, donc elles travaillaient en modelant leurs étoffes sur les mannequins. Et moi, mes premières joies et mes premiers moments de création sont nés dans les chiffons, dans l'atelier de mes grands-mères. C'est d'ailleurs, quand je travaille actuellement, j'ai toujours besoin de toucher, de sentir, quand je recherche mes matériaux, c'est toujours cette chose qui me revient. Et il y a un sujet comme celui-là qui est au fond, là-bas, le manège avec l'oiseau sur la tête, etc. C'est un sujet que j'ai appelé le palais enchanté des jardins secrets. Et c'est un hommage que j'ai voulu rendre à ces deux grands-mères. Voilà. Voici Trèbes, vieille ville romaine dont on aperçoit les arènes. Une ville entourée de vastes cultures de céréales que nous longeons toujours dans le ravissement de ce chef-d'œuvre du XVIIe siècle, le canal du Midi, dans toute sa splendeur, à l'abri des platanes. Après une dizaine de jours de navigation et une quarantaine d'écluses, c'est l'arrivée dans le bassin de Castelnaudary. Cet étang était jadis le carrefour de toutes les gabarres, les péniches de transport qui s'y retrouvaient pour commercer. Il y a trois réalités inévitables tout au long du canal. Les platanes, la beauté des paysages et le cassoulet. Il y a plusieurs versions du cassoulet. Nous avons demandé au président pape de la grande confrérie du cassoulet de trancher la viande et le débat pour nous. Ça, c'est du lingot de Castelnaudary. C'est un haricot, c'est une variété spéciale. Donc ça, c'est ce que l'on va faire dans le cuir dans un premier temps à l'eau, dans de l'eau, avec un bouquet de thym et un bouquet de laurier, des oignons et de l'ail. Donc ça, ça va être cuit à l'eau. Le haricot cuit après 2 heures de cuisson. Ensuite, donc, le confit de canard. Donc les cuisses sont coupées en 2 morceaux. La saucisse de Toulouse. 80 grammes par personne. Le jarret de porc. Et les coines. Pour le cassoulet de Toulouse, il rajoute de la tomate, ce que les habitants du Lauragais de Castelnaudary ne font pas. Et en ce qui concerne Carcassonne, les cuisiniers cultivent à l'époque
cuisiner le cassoulet avec du perdreau ou de la perdrix. Alors, comment mettons-nous tout cela à l'ensemble ? En premier lieu, on va mettre en bas une couche de couane qui se fondra au fur et à mesure de la cuisson dans le four. Ensuite, deuxième étape, on recouvre très légèrement des couanes de haricots. On rajoute des morceaux de saucisse. Voilà. Des morceaux de canard. Voilà. Et à la suite, donc, les morceaux de jarret de porc. Et à la suite, donc, on recouvre le tout. C'est un cassoulet qui a été gratiné pendant 1 heure et demie. Et on voit encore le jus qui est dessous. Et voilà un cassoulet après 4 heures de cuisson qui est prêt à être servi. C'est bon le cassoulet, mais faut bien le digérer aussi. Voici le problème qui est resté insoluble pendant plus de 2000 ans pour réaliser un canal qui permettrait enfin de passer de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique et vice-versa. Du point le plus élevé, à Nauruz, il y a une dénivellation de 189 mètres vers la Méditerranée et de 68 vers la Garonne qui mène à Bordeaux. On connaissait le principe des écluses depuis longtemps. Mais des écluses, ça fonctionne mieux quand il y a de l'eau dedans, hein? Et l'eau, ça ne monte pas, ça descend. À chaque éclusée, cette eau descend vers l'écluse suivante. Alors comment faire arriver de l'eau en haut du système d'écluses? Il y a bien une montagne, mais aucun cours d'eau assez considérable, semble-t-il. Éricet parcourt la montagne noire pendant des années et calcule le débit du moindre ruisseau en tout temps de l'année. Il canalisera les moindres rigoles des ruisseaux et en retiendra le volume par un barrage qui était à l'époque le plus imposant du monde. 786 mètres de long, 149 mètres d'épaisseur. Pour alimenter en eau le canal du Midi durant une année, il faut environ 90 millions de mètres cubes. Ce lac de Saint-Fréol, qui reçoit les eaux de la montagne Noire, fut et reste la réserve majeure du canal et deviendra d'ailleurs rapidement une destination de loisirs plein air. C'est encore une destination vacances. Le lac assure donc et régularise l'alimentation en eau du canal. Certains cours d'eau sont détournés vers Nauruz, en plus de l'alimentation provenant des eaux retenues au lac.
genre de paysage ici qui nous est familier au Québec. Au musée du canal, ce jet d'eau créé par sa position située sous le niveau des eaux du barrage. En 1825, les héritiers de Riquet font ériger un obélisque au seuil de Nauruze pour marquer la symbolique du lieu. L'obélisque possède une dédicace à Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, auteur du canal des deux mers en Languedoc. Ce monument fut bâti sur des roches autrefois fameuses, les pierres de Nauruze chantées par les troubadours, source de maintes légendes. La plus importante affirme que lorsque ces pierres viendraient à se joindre, les femmes perdraient toute honte et pudeur et le jour du jugement arriverait après. Alors, à chaque année, cérémonieusement, des femmes pieuses allaient placer des roches dans l'anfactuosité pour empêcher les rochers de se toucher, retardant ainsi le dévergondage et la fin du monde. On ne dit pas si certains hommes n'allaient pas secrètement enlever des pierres. Ça, c'est autre chose. Un bon dimanche, nous nous baladons du côté du château de Riquet et en arrivant à Saint-Félix-de-Lauragais, une affiche « Concours de pêche ». Curieux de voir des Français pêcher, on y va. Nous y voici. Tout le monde n'est pas français, mais tout le monde pêche. C'est pas le Baskatong ni la rivière Moisie. Hein? Un petit étang où chacun occupe une place tirée au hasard. Comité organisateur s'affaire. Pas question de pêcher avant le signal. Oh oui, vous avez bien vu. Les truites sont arrivées sur des lieux en même temps que les pêcheurs, bien équipés en matériel, bottes, camouflage, prêts à une lutte sans merci. Regard suspicieux, coup de gueule, c'est de rigueur là-bas. D'autres savent simplement profiter d'une joyeuse journée de congé. Les pêcheurs sont prêts et c'est l'arrivée des dernières truites. Les grosses. Coup de départ. Faut pas déranger les pêcheurs. La tension est forte. Voilà, madame. Belle prise. Peut-être une truite gagnante. Alors, il faut l'assommer comme il faut, hein? Sérieux ici. Sérieux candidat au trophée, là, ici. Et lui, toujours rien. Et de toute façon, pour ces amateurs de poissons, cadeau pour tout le monde, une boîte de conserve de cassoulet. Classé au passé prestigieux, Sorèze, avec son abbaye-école. Monument historique, témoin de 12 siècles de recherche du savoir et de mémoire. Le clocher Saint-Martin. Les maisons à pans de bois et à encorbellement au cachet remarquable. Halte privilégiée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. «
Se promener dans ces vieilles rues, c'est suivre les chemins de l'histoire. On y voit, on y sent le temps dont chacun s'invente les détails. Les histoires qu'on s'imagine sont toujours plus passionnantes que la réalité des temps passés. L'ancêtre garde la porte. L'abbaye école de Sorèze, fondée par Napoléon pour les futurs ingénieurs de l'armée. École privée maintenant. La cour de récréation de cette école pour bien nantis. Nous sommes à Toulouse, mais ce type de campanile, clocher à jouret, se retrouve dans toute la région. Nous sommes dans le fief de Claude Nougaro, qui reste, après sa mort, une icône à Toulouse. Et Toulouse est toujours prête pour la fête musicale. Festin, évidemment. C'est bon. Alors là, c'est donc la truffade, une spécialité du Cantal, et la ligot, spécialité aveyronnaise. Donc ce sont des pommes de terre sautées dans de la graisse de canard avec de la tomme fraîche et du sel de Guérande. Voilà. Le vieux sage dévoué à initier les tout jeunes à la musique. Elle règne même sur la Violette de Toulouse. Oui, c'est elle. Cette maison de la Violette, installée sur une péniche de 1930, est amarrée au centre de la Cité Rose. Si vous aimez sentir, manger de la violette, vous en vêtir, vous en enduire le visage, c'est là. La péniche est située tout près du pont qui enjambe le canal avec une autre statue de Riquet. On dit là-bas que c'est sur ce pont exactement que l'on passe du cassoulet au foie gras, du Languedoc au Gers. Sur le canal latéral à la Garonne, on arrive dans le canal du Midi. Le pont à la jonction du canal de Brienne est le premier pont du Midi. Il s'agit des ponts jumeaux et le mur de briques qui les sépare comporte ce bas-relief de marbre blanc représentant les dieux de l'océan et de la mer, entourés de pioches et de pelles en souvenir de la construction du canal. De la Garonne, l'entrée là-bas au fond, sur le canal du Midi. Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique, est un carrefour étudiant très important. J'avais un groupe de blues qui s'est créé un peu comme ça, par amitié.
Ça a été peut-être une des choses les plus importantes de ma vie. Le milieu des musiciens ne m'a pas déçu. Le bateau, pour moi, c'était une sorte de liberté, la possibilité de circuler sans trop d'entraves. J'ai eu un garage automobile, ensuite je suis passé dans l'immobilier. Quand j'ai acheté ma péniche, pour vous dire, en fait, je faisais des maisons, je vendais des maisons. Et moi, j'ai pas acheté de maison, j'ai acheté une péniche. Avec Madame Péniche, ça fait 15 ans maintenant que j'habite avec Madame Péniche. J'ai été très heureux et je le suis encore. Très particulièrement. Dans votre vie où les choses ne sont pas faciles, vous êtes malade, vous êtes sérieusement malade. Oui, malheureusement. L'échéance pourrait arriver dans votre cas. Comment vous vivez cette période? Je crois que je peux partir tranquille. Des appréhensions? Vivra, j'aurai la trouille, j'aurai peur, je pleurerai. Mais je sais que derrière moi, je laisserai des gens qui m'auront connu et qui m'auront aimé. Et je sais aussi qu'il y en a d'autres qui diront « c'est un sale con ». Mais je m'en fous. Merci. Just clean but a jack. Les séculaires platanes sont amenés à disparaître. Les marques colorées qu'on y voit sont des condamnations à mort, sans appel. Depuis que, durant la dernière guerre, les GI ont débarqué avec des caisses de munitions en bois infectées par un chancre coloré, les 60 000 individus du canal du Midi sont menacés d'extinction. À mesure qu'ils meurent, ces arbres, plantés au 19e siècle, sont remplacés par d'autres essences, heureusement. Un mythe s'écroule et il n'y a rien à faire, dit-on. Plus de 10 arbres abattus chaque jour. Pour ralentir la progression, il est nécessaire d'abattre les sujets sains dans un rayon de 50 mètres autour de chaque foyer. Ces souches témoignent des dommages. Technique efficace et sans merci. Mais le canal sera encore protégé, comme on le voit ici, par des arbres anciens et nouveaux qui montent la garde au long du parcours. Un autre magnifique pont-canal, celui de Moissac, comme deux chemins d'eau qui s'ignorent. Le cloître de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac, terminé en 1100, est un trésor unique et parfaitement conservé de l'art roman. C'est ici un carrefour important pour les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'abbaye, comme le canal, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 116 colonnes autour du cloître ont protégé en quelque sorte les milliers de moines qui ici ont travaillé, prié, espéré. Pour moi, en voyant cet arbre centenaire au milieu de la cour, il m'a semblé que c'était le dernier moine, toujours en prière. Un petit fromage?
près de Montauban, une ferme, toute coquette. Les deux filles reprennent l'entreprise familiale et lancent une sérieuse fromagerie, la Tome du Ramier, avec succès. On est bien, on se sent bien ici. Le côté familial, d'élever nos enfants avec nous, de qu'ils voient ce que c'est que le travail, d'avoir nos grands-parents. Nos grands-parents sont restés avec nous. On a encore une grand-mère qui est là, qui finit ses jours avec nous, mais c'est normal, quoi. Voilà, pour nous, c'est normal, mais en fait, on se rend bien compte que tout autour de nous, ben, c'est plus du tout comme ça que ça se fait, et c'est bien dommage. Quoi. La fromagerie. Et la stabulation libre où les vaches se font traire à leur gré, selon leurs besoins, par un robot. Automatisation conviviale. Lait cru pour les amateurs. Fromage. Des meules précieuses qu'on soigne évidemment avec conviction. Mais sans oublier le petit déjeuner. À Agen comme à Montauban, la navigation peut être dangereuse pour la circulation des péniches. Il fallait le canal pour expédier en toute sécurité le vin et les pruneaux. Nous sommes dans une région où le pruneau trône sous toutes ses formes. Au centre de la ville d'Agen, la confiserie Boisson est située au milieu d'une petite rue autrefois très commerçante, moins maintenant. Voici la sixième génération de boissons. Alors là, vous avez les pruneaux fourrés à la crème de pruneaux. Alors ici, vous avez donc le galet de Garonne. C'est un pruneau naturel sans noyau, enrobé au chocolat noir. Et là, vous avez les pépites de Gascogne, qui est donc le pruneau fourré à la crème de pruneaux, enrobé au chocolat au lait et chocolat noir. Depuis 1846, la famille possède ses propres vergers, où on cueille les pruneaux à l'ancienne, avec soin, avant de les faire sécher, comme autrefois. C'est l'ancêtre Boisson qui a mis au point les recettes, et depuis six générations, le secret est transmis à ceux qui veulent poursuivre la mission. Si vous aimez le pruneau, les sucreries, voici le bonheur. En s'amarrant près de Valence d'Agen, rien de trop beau pour certains pénicheurs, nous trouvons cette vieille barge devenue un théâtre nautique. Valence d'Agen présente directement sur le canal une très jolie reconstitution historique jouée par les habitants du lieu. Et pourtant, en ce siècle à peine né, l'horizon déjà s'assombrissait. Après un autre éclusage, nous arrivons à Damazan, sur la rivière Baïse. La Baïse est une belle rivière d'Aquitaine, le seul affluent en rive gauche de la Garonne qui soit canalisé. On quitte le long de la Garonne pour s'engager sur la beauté calme de cette rivière et les attraits qu'elle traverse.
comme cette tonnellerie modernisée, mais qui fabrique des tonneaux à l'ancienne depuis 3 générations. Arnaud nous accueille à l'auberge du Goujon qui frétille à Buzet. Le vrai foie gras de canard du Lot-et-Garonne, donc qu'on va couper en tranches pour faire poêler. Les homards donc, de Bretagne, donc des homards bleus. Ça, c'est des petits homards qui font dans les 500 et quelques grammes. Voilà. Donc le principe... On va les couper en deux pour les faire poêler et les rincer. Arrivés à Nérac, nous accostons juste à côté d'une gaba rénovée mais qui transportait jadis les tonneaux des spéculateurs de farine. Le premier château d'Henri de Bourbon, Henri prince d'Albret, le futur Henri IV. Il était une fois une très belle jeune fille qui s'appelait Fleurette. Un soir d'été, le bel Henri de Bourbon la rencontre et dit vouloir la revoir. Le futur Henri IV ne redonne pas signe de vie et la belle Fleurette sacrifie l'assiette dans la rivière. C'est depuis ce temps qu'existe l'expression « compter Fleurette » et que l'anglais s'adonne au « flirt ». Eh oui, encore à Montréal, en Gers, celui-ci. Un vieux couple y fabrique un armagnac divin, médaillé d'or. Gabriel et Maria Zago, leur vignoble dont la distillation du vin fait l'armagnac. Maison accueillante, autant que Gabriel et Maria. Elle explique que la part des anges, c'est le pourcentage d'alcool qui s'évapore naturellement des barriques. Les chefs-d'œuvre, nous avons cédé au 1984 pour goûter notre souvenir au retour. Des gens merveilleux. La rumeur nous a soufflé que le champion français des foie gras se concoctait dans les parages. On a voulu voir et goûter.
On a vu la beauté bourgeoise du lieu où certains grands saumons s'approvisionnent en foie gras. Nous sommes chez Monique et Bernard Molas. Depuis 40 ans, on fait ça. Nous avons pris la relève de nos parents, parce qu'avant, nos parents, grands-parents avaient, après ça a été les parents, et puis après, nous avons pris la relève. Alors, la particularité de la ferme, c'est que tout est fait sur place. Toutes les céréales sont produites dans nos champs, parce qu'il y a 60 hectares de terre, on produit toutes les céréales et tout le maïs pour le gavage, c'est fait sur place. Et la particularité de la ferme, c'est que l'on garde avec du maïs blanc. Ah bon. Et c'est pour ça que le foie gras est beaucoup plus clair. Vous voyez, regarde. Ah ben oui. Et comme le maïs blanc est moins typé que le maïs jaune, et bien ça influe moins sur les flaveurs originales. Tout est vendu ici, on ne bouge pas. C'est les clients qui viennent pour acheter ici. Vous savez bien vous le dire. Leur foie gras est bon en... En tout cas, il est bien bon. Une escale dans la belle ville de D'Artagnan, Condon. Les abords d'un resto installé au bord du canal. L'agréable vie de pénicheuse. De pénicheurs aussi. Cet affluent nous amène au majestueux Lot. Château La Grésette, vieille ruine que l'ancien PDG des produits de luxe Cartier a rénovée entièrement. Alain-Dominique Perrin fait renaître la viticulture sur ce domaine de la Grésette et avec succès. Vu d'en haut, vu d'en bas, le Lot est une splendeur constamment renouvelée. Saint-Cyr-la-Popie, village médiéval jugé comme un des plus beaux villages de France par vote populaire. Et en suivant le cours du Lot pour rejoindre la Garonne, nous arriverons enfin à Bordeaux. Nous étions partis des huîtres méditerranéennes de l'étang de Thaux à Sète pour arriver maintenant à goûter les huîtres atlantiques du bassin d'Arcachon. Et Bordeaux est en fête. La ville célèbre justement son estuaire.
Notre rêve s'est réalisé dans le ravissement. Espérons qu'il nourrira le vôtre. Sinon, nous aurons eu au moins le plaisir de le partager avec vous. Il me prend par la main et m'emmène doucement. M'impose son chemin sur un thème doux et lent. Mon pote vieux canal m'emporte vaillamment. Dans ses courbes inégales, je pivote en sifflotant. Les arbres salut mon passage en pleurant. On ne te verra plus du rivage. Ami, tu nous entends? Et puis la peine se fait diffuse en silence. Après avoir franchi l'écluse, on avance. Qu'on bénisse ton âme sans vague au fil des sillons.